Bonjour, donc moi je vais faire assez rapide parce que je sais que vous avez peut-être faim et que c'est la fin de la matinée qu'on a pris un petit peu de retard. Du coup, c'est l'intervention précédente va vraiment introduire mes propos, puisqu'on a beaucoup parlé d'activité sportive et que moi je vais plutôt vous parler d'activité physique. Et, comme vous savez, il y a quand même une certaine différence et du coup, peut-être les angoisses que vous avez eues par rapport à la mort subite. On va peut-être moins les voir, puisque moi j'ai plutôt montré que l'activité physique est bénéfique, même quand on a des pathologies lourdes, diabète, médicaments vasculaires, cancer, et voilà. Donc ça c'était mon propos un petit peu qui fait le lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure. Moi je vais juste aussi insister, parce qu'on a pas mal parlé de prévention, d'éducation, et je voulais vraiment resituer le rôle des villes dans toute cette action-là. Moi j'agis pour le patient aussi, mais à un autre niveau. Je ne vois pas forcément le patient directement en examen clinique. Par contre, tout ce que va mettre en place une ville peut avoir une influence importante sur justement l'accès à l'activité physique ou sportive et du coup au changement de comportement. Donc effectivement, on a vu l'éducation hein, du patient, on a vu l'éducation à l'école, l'éducation dans les clubs, là, ça, c'est, on sait bien que c'est important, l'éducation dans les familles. Et puis il y a aussi tout l'environnement qu'on peut mettre en place dans la ville, c'est-à-dire comment on rend accessible le sport de manière, l'activité physique de manière plus libre, plus facile, pour qu'on ait envie de reprendre, comment on facilite aussi l'accès aux clubs sportifs. Nous, on a un gros travail qu'on met notamment en suivant des enfants en surpoids, en obésité, pour, dans un programme un peu consistant, où on les voit tous les mercredis. Comment on les amène au bout de 2 ans à reprendre une activité beaucoup plus régulière et du coup avoir des effets sur les changements de comportement, en termes de nutrition, mais aussi dans les activités physiques. Donc je pense que ça c'est important de comprendre qu'on agit tous pour la même chose, à des niveaux différents, et malgré tout, c'est pareil bien, sur la question des risques, la ville de Villeurbanne s'est engagée à mettre en place des défibrillateurs, l'Office Villeurbanais des sports a aussi un défibrillateur mis à disposition du club. Et nous formons aussi, puisque dans mon service, on a des formateurs qui font au geste de premier secours, et on forme la population, hein, le grand public, mais aussi les fédérations, enfin, les clubs sportifs qui le souhaitent. Souvent, les parents qui viennent pour un match, et ben, ils ont une séance de sensibilisation avant le match, après, pendant, de manière assez informelle, et ça, c'est un partenariat qu'on a avec la Croix-Rouge. Voilà. Donc, tout ça pour vous situer qu'on agit tous pour le même objectif, à des niveaux différents, et ça, en termes de santé publique, je crois que c'est aussi important de montrer qu'on on arrive à faire changer les habitudes, les façons de faire, que si on agit sur tous ces volets-là. Voilà. Moi, je vais parler du sport sur ordonnance. Alors, par rapport à ce qui a été dit, je ne vais pas vous dire comment prescrire, parce que ce n'est pas mon travail, je vais plutôt vous dire comment la ville va faire en sorte de faciliter, en tout cas, la prescription pour les médecins, et comment elle va accompagner, une fois que l'ordonnance est prescrite, comment elle va accompagner le patient à du coup rentrer dans une activité physique et sportive. Donc là, je vais juste rappeler l'importance aussi d'être en lien avec les clubs, parce qu'on ne peut rien faire sans vous, et tous ces programmes-là, ils se font en partenariat avec les clubs, les médecins, et c'est ce qu'on est en train de monter sur Villeurbanne, à l'image de ce qu'a fait Strasbourg il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Voilà. Donc là, c'était quand même des recommandations de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sanitarité qui nous dit un petit peu pour mettre en place ces dispositifs de sport sur ordonnance, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les éléments clés qu'il faut, c'est-à-dire la proximité des dispositifs, c'est-à-dire ce que je fais à Villeurbanne, ça ne serait pas forcément reproductible à Rieux ou à Caluire, donc il faut vraiment quand même qu'on ait une proximité des dispositifs. La diversité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va toucher des populations très diverses. Donc là, on a parlé aussi des sportifs, mais il y a des gens qui sont très très loin d'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sédentaires, il ne faut aucune activité physique. On estime à peu près 42% de la population française qui ne fait pas du tout de sport, donc qui bouge très peu, hein, qui reste vraiment assis toute la journée. Voilà, on a des âges différents. On a aussi des gens, on sait bien que les garçons et les filles ne font pas du sport de la même façon, l'activité physique de la même façon, et ça a bien montré aussi, notamment par exemple que les filles abandonnent très tôt le sport pour des tas de raisons qu'il faut prendre en compte, parce qu'elles sont quelque part aussi défavorisées dans cette question-là. La question des revenus, on a parlé de CG 14 euros, nous on suit les familles où le prix de la CG 14 euros,
l'accès aussi de bonne santé pour pratiquer le sport. L'importance aussi d'associer acteurs et partenaires est assez large, hein, clubs, mais aussi médecins libéraux, kinés, tous les gens qui tournent autour de la santé et qui peuvent aussi avoir un effet sur l'éducation. Et puis les approches, parce qu'il n'y a pas qu'une approche, il y a des approches sur ces questions-là. Voilà, donc je vais passer la suivante. Donc là, juste pour vous rappeler, donc on est bien dans l'activité physique, hein, je ne suis pas de sport, même si après l'activité physique permet aussi au sport. Donc, on a bien démontré aussi l'intérêt au niveau du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, la prévention du cancer, notamment du sein et du côlon, et aussi sur les troubles cognitifs, ce qu'on ne connaît pas très bien, c'est vraiment des effets sur la dépression. Mais aussi, notamment dans le cas de l'Alzheimer, on sait qu'il y a des effets parce qu'en fait, l'activité physique a une action sur les neurones et sur la transmission de certains neurotransmetteurs. Et ça, c'est relativement mal connu. Hein. Et donc, même pour les enfants qui sont en classe, moi, j'insiste beaucoup, puisqu'on a un service de santé scolaire aussi, j'insiste beaucoup pour que le cours de gym ou l'activité sportive à l'école ne soit pas supprimée sous prétexte qu'il faut mieux apprendre les maths. Non, parce que quand on aura fait un peu de sport et d'activité physique, on sera plus concentré, on sera plus détendu. Et on sait qu'au niveau des connexions, des apprentissages, on améliore les apprentissages. Donc ça, c'est vraiment très important. Sur le diabète, on a bien démontré aussi que l'activité physique permet de diminuer les traitements. Hein, donc en fait, on a des actions qui sont un peu comme les antidiabétiques. C'est-à-dire l'activité physique joue presque le même rôle qu'un antidiabétique. Et donc ça, c'est aussi important. L'inactivité, ben, ça a un coût maintenant en termes de pour la collectivité, mais aussi pour les patients, parce que plus on est malade, plus on a un reste à charge et plus ça coûte, donc pour la collectivité, mais aussi pour les patients. Et c'est considéré comme la 14e cause de mortalité. Donc, je vous ai mis le nombre de personnes en affection longue durée, puisque on va voir plus tard l'amendement de Valérie Fourneyron. Le conseil de la prescription pour les personnes en affection longue durée. Donc, c'est une liste de maladies, il y en a une trentaine, qui sont bien déterminées. Je sais que Strasbourg a été bien au-delà, peut-être que Villeurbanne prendra aussi d'autres choix, hein, que les personnes en ALD, en tout cas dans son dispositif expérimental. Voilà, donc je vous ai juste rappelé l'amendement de Valérie Fourneyron qui donne la possibilité de prescrire, hein, c'est une possibilité, hein, de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités et aux risques médicaux des patients. Donc ça, c'est bien en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en fonction de son risque, on ne va pas forcément faire les mêmes activités et on ne va pas les faire à la même intensité, de la même façon. Voilà. Voilà, donc je vais juste vous présenter l'expérience de Strasbourg sur laquelle on s'appuie, mais qui ne sera pas forcément développée exactement pareil à Villeurbanne. En tout cas, nous, on est très en lien avec l'Office urbain des sports, l'Office des sports Villeurbanne, plutôt dans ce sens-là. Les élus sports, M. Dominas, qui est passé tout à l'heure, et puis Toulouse et puis la santé sont très en lien sur ces projets-là. Hein, et donc moi, je participe notamment au projet de l'Office sportif de Villeurbanne. Et on a des actions santé dans le projet sportif. Et de même, on a des actions sport dans le contrat local de santé. On a signé un contrat local de santé qui nous permet de développer des actions sur la santé avec des financements. Donc ce qu'on a pu montrer, en tout cas sur les deux cohortes qui ont été suivies à Strasbourg, c'est des résultats effectivement sur l'activité physique, l'amélioration. Hein, donc les gens ont repris une activité physique et donc du coup sont moins sédentaires. Et on sait que la sédentarité a moins de risques pour la santé. Une amélioration sur la qualité de vie, hein, et ça a été très très bien démontré sur la question de l'isolement social, et ça c'est important. Et puis ce qui a été aussi pointé, c'était l'importance de la gratuité de l'offre, parce qu'effectivement pour reprendre une activité physique parfois il faut quand même inciter, et ça c'est en fait des façons aussi d'inciter, hein, on sait que, en tout cas au début la gratuité de l'offre est intéressante. L'encadrement, et c'est vrai qu'il ne suffit pas d'écrire sur une ordonnance il faut faire tel sport et voilà, c'est comment on va faire pour que la personne, une fois qu'elle aura son ordonnance, elle va pouvoir aller se faire aider, en tout cas être orientée. Et puis l'importance de l'écoute des professionnels, parce qu'encore une fois, quand on est très éloigné de l'activité physique, c'est pas simple de reprendre, et qu'il faut pouvoir aussi dire c'est compliqué, j'ai pas envie, j'aime pas. Et du coup,
pouvoir s'exprimer par rapport à comment on perçoit cette activité physique. Et puis c'était l'idée aussi pour beaucoup de patients de sortir la carrière de malade, parce que c'est vrai que de plus en plus dans ces maladies chroniques, on est malade, mais si on est citoyen comme tout à chacun, la maladie c'est un épisode, c'est quelque chose qu'on porte, c'est une forme de bagage, mais pour autant on a le droit de vivre autrement et on a le droit d'avoir envie de faire autre chose. Et puis l'étude aussi avait bien montré que les médecins, d'une manière générale, étaient favorables à la prescription, parce que si du coup ils n'étaient pas favorables, ça ne servait à rien, puisque ça passe par eux d'abord. Hein. Voilà. Donc, sur la position des médecins, il y a eu des enquêtes, je dirais plus d'opinion, hein, mais qui ont bien montré que, voilà, ils étaient assez d'accord pour soutenir l'amendement. Et ils trouvaient que c'était effectivement la promotion d'activité physique était un de leurs rôles. Voilà. Et c'est un moment qui est déjà prescrit. Voilà. Voilà, après, c'est comment on va faire pour que ça aille un peu plus loin. Donc, le sport sur ordonnance, c'est vrai que ça nécessite effectivement un engagement fort politique, hein, sport et santé, c'est-à-dire une ville, elle s'engage parce que politiquement, elle pense que c'est un rôle important, hein, sur la santé. Pour la santé à tous les âges. Nous, on a une expérience à Villeurbanne, le dispositif Passeport Santé dont je vous ai parlé. Donc, on suit, on repère des enfants en CE2 qui ont en surpoids ou en obésité et qui ne font pas d'activité physique, et qui sont inscrits en club, qui ne font pas d'activité. Et du coup, on leur propose un programme sur un ou deux ans où tous les mercredis, ils ont accès à une activité physique variée, hein, ils essaient plein de sports différents. Et ils sont accompagnés en termes de nutrition, et puis on a aussi des séances avec les parents, on a une séance avec des nutritionnistes, et on a une séance avec des psychologues. Donc c'est un programme assez lourd, qui fonctionne très bien, qui marche bien, qui sont financés en partie par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et qui montre tout l'intérêt de ces programmes quand même assez fins, assez adaptés, mais on agit sur l'enfant, sur sa famille, sur l'environnement scolaire, sur les clubs, parce qu'on fait un lien avec les clubs sportifs, parce que du coup ils ont des accès clubs gratuits ou facilités, et tout ça fait que ils vont y rentrer. On a des frais, enfin vous avez des résultats probants, en tout cas le poids se stabilise, et en plus on a repéré des choses de la façon au niveau de l'alimentation. Alors après, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est sur la durée, mais en tout cas, on a des preuves assez probantes que des programmes mis en place de cette façon-là ont des résultats au-delà des 2 ans. Donc on ne l'a pas démontré, mais en tout cas, on a des preuves probantes sur d'autres études qui nous laissent penser que la méthodologie qu'on utilise, elle chance de réussir. Donc c'est pour ça qu'on est financé, on aimerait bien le développer, puisqu'on suit à peu près chaque année à peu près 60 enfants. Sur l'urbain, il y a des taux d'obésité dans les écoles qui vont des fois à 30%. Donc, avec aussi toutes les questions dans des secteurs un peu défavorisés, mais toutes les questions liées à la pollution, puisqu'on entend aussi qu'il y a des liens entre pollution, diabète et obésité. Et du coup, une approche beaucoup plus globale de ces questions-là. Et nous, on défend vraiment l'environnement aussi, qui joue un rôle important sur ces questions de surpoids et d'obésité. La ville a misé un petit peu sur le fait que l'activité physique, c'est un déterminant fort pour être en meilleure santé. Donc ça, c'est un choix politique qui a été fait, parce qu'on a pensé qu'on avait une action forte là-dessus, et que si on agit là-dessus, on a peut-être plus de chances d'avoir des résultats plus que sur l'alimentation, où l'alimentation est importante, mais c'est de très long terme, et ça demande énormément de moyens. Là, aujourd'hui, on a des premières actions d'activité physique dans l'espace libre, hein, donc à Villeurbanne. On a tous les samedis matin maintenant, 1 heure d'activité physique variée, marche nordique, gym sur l'ouest, la Chine. Voilà, sur les quartiers aussi, mais aussi en centre-ville, où les gens gratuitement peuvent venir sans inscription faire de l'activité physique. Voilà, on fait une petite séance d'une heure. Donc aujourd'hui, c'était les premières séances qui sont en place. Et donc après, on espère bien que ça va aussi amener un certain nombre à réadhérer à un club, se remettre dans une activité physique un peu plus régulière. Donc on expérience, de l'expérience du dispositif Passeport Santé, on a aussi l'expérience
d'enfants et de familles qui sont très très éloignés de l'activité physique. Et du coup, comment il faut les accompagner et comment il ne suffit pas de dire il faut, ça ne suffit pas. Même si on est informé des risques, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour les changements de comportement. Voilà, on va passer à dire au suivant. Donc là, je voulais juste vous détailler un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre en place à l'hiver. Donc on a fait le choix, parce qu'il y a plusieurs modèles dans ces sports sur ordonnance qui ont été faits, qui ont été montés par les villes. Villeurbanne a choisi de mettre en place un étape, c'est-à-dire un animateur sportif ville, qui sera formé à l'activité physique adaptée et qui sera en charge, d'une part, d'évaluer le besoin de la personne, c'est-à-dire une fois qu'il aura sa prescription médicale, d'évaluer ce que souhaite la personne, est-ce qu'elle peut faire une activité dans un club, pas dans un club, est-ce qu'elle est très loin de l'activité physique, elle a besoin d'être accompagnée. Donc cette étape, s'il aura la charge d'évaluer, de suivre aussi, c'est-à-dire si la personne décroche, de voir comment on peut faire pour la faire réaccrocher, et puis aussi d'évaluer les différentes actions qui sont menées, et du coup avoir une très bonne connaissance de ce qui se passe sur la ville, en termes d'offres. Parce que les offres, je les ai mis en soi, elles ne sont peut-être pas très bien, mais il peut y avoir l'activité adaptée, encadrée par une étape. Il peut y avoir l'activité adaptée, encadrée par une association spécialisée, des associations spécialisées d'activité adaptée. Il y a aussi des associations sportives qui ont des séances d'APA labellisées, on en a sur Villeurbanne aussi. On a aussi des activités douces dans les associations, qui peuvent permettre aux personnes de reprendre sans forcément être trop encadrées. Et puis on a aussi des activités libres, c'est dont je vous parle. Et nous, on pense que plus on va avoir aussi dans l'espace public qu'on peut bouger, plus ça va entraîner et amener les gens à essayer d'avoir envie de bouger. Et ça, on l'a bien montré aussi en termes de santé publique, que ça a des effets de voir faire et du coup, que la ville soit aussi un petit peu exemplaire. On sait que ça a des effets sur les populations en général. Alors ça n'empêche pas qu'on peut aussi avoir un passage par des structures de réadaptation avec qui on va être aussi très en lien, puisque en fait souvent quand on a une maladie chronique, un cancer, une maladie cardiovasculaire, on passe par des services de réadaptation. Et là on a la chance, on va pas avoir bientôt un Medipôle avec une offre vraiment de haute qualité et que du coup on est très en lien. On a aussi la clinique de Tonkin, le Centre Bayard, mais toute cette réorganisation hospitalière va nous aider aussi à permettre à ces gens qui ont vécu une maladie un peu aiguë, ils ont repris une activité bien encadrée, puis comment après ils passent le cap d'aller eux-mêmes continuer cette activité. Ça, on a eu beaucoup de retours en termes de réadaptation, de gens qui, une fois sortis de la réadaptation, ont besoin d'être accompagnés pour oser aller peut-être dans un club en étant tranquille par rapport à leur prescription. On voit bien qu'il y a besoin de cet accompagnement. Donc on a fait ce choix-là et pour l'instant on est en train de monter ce programme, donc rencontre des médecins généralistes volontaires, parce que là aussi ça fait beaucoup de neige, il y en a qui sont volontaires d'autre part. Quels sont les freins? On va aussi accueillir un interne en médecine générale qui va nous aider à peut-être travailler sur la représentation des médecins par rapport à cette prescription, parce que ça peut faire peur, ça engage. Mais comme le dit le médecin de Strasbourg, l'élu de Strasbourg qui est aussi médecin, on tue plus aussi à ne pas faire encourager les gens à faire une activité physique. Non, je ne dis pas sportive, mais physique. Donc en fait, c'est plus dangereux de ne rien faire que de remettre les gens aussi en mouvement. Donc ça, c'est aussi à expliquer et on aura certainement une grande conférence avec, des gens un peu spécifiques dans cette affaire pour un peu convaincre le corps médical que. Parce que pas grand chose à prescrire, même s'il faut que ce soit encadré, qu'il y aura un bilan de prescription, enfin, il y a vraiment besoin d'un temps de formation quand même, parce que c'est pas si simple que ça non plus. Donc c'est ce que je vous ai dit, la réalisation du bilan, l'augmentation, l'accompagnement, suivi du patient. C'est aussi la garantie de la prise en charge. Alors, il y a la question du coût, on ne sait pas trop, mais on attend les décrets nous aussi. On va faire en sorte, en tout cas, nous, que pour démarrer, ce soit gratuit. Donc la ville va aussi.